plutôt positive. Je crois qu'on a été capable de faire le point rapidement. Les joueurs ont su s'investir dans la partie comme il le fallait, ce qui n'avait pas été le cas à Montpellier. Je crois que le travail accompli a été visible sur le terrain. Aujourd'hui, je dirais que ça a été un mal pour un bien. Est-ce que l'on peut prolonger? Sans doute qu'il y aura des matchs où il y aura encore un courant alternatif. On le voit d'ailleurs dans notre jeu. On reçoit le champion. C'est une équipe qui, sur ces 3 dernières années, mérite ce titre de champion. Donc, on va se concentrer sur ce présent, ce qui est passé est passé. Donc, ayons une attitude positive en affrontant aujourd'hui non seulement le champion, mais déjà le leader, un des leaders du top 14. On a envie de retrouver, surtout que quand on l'a quitté, dans l'euphorie de notre dernier match contre Biarritz. On garde ce souvenir d'euphorie. Il faut être vigilant quand même, car on n'est pas à la même période. Donc c'était un match de fin de saison. Aujourd'hui, en début de saison, je dirais que notre jeu est moins accompli peut-être qu'en fin de saison dernière. Il nous faut trouver nos repères à Colombes, notre premier match, mais surtout des repères dans notre jeu. Pas revenir sur le calendrier, on le connaît depuis le début de saison, donc on sait. Bon, moi je ne tiens pas, je prépare ce que je vous ai dit en début de saison avant d'attaquer. On est là pour trouver des solutions et pas pour chercher des excuses. Il est ce qu'il est pour tout le monde. Donc au Racing, on ne cherchera pas d'excuses, on cherche à trouver des solutions. On ne les trouve pas tout le temps, donc la preuve Montpellier, mais on ne vous donnera jamais d'excuses. C'est comme ça, on va faire avec. Préparons-nous à cette réalité. C'est une bonne prestation, pour moi c'est une bonne prestation dans la mesure où il a recommencé après 9 mois d'inactivité. Donc c'est une bonne chose que de revoir Juan Hernandez sur le terrain. Après, on s'en est aperçu, lui le premier, mais que le retour à la compétition doit se faire progressivement. Mais c'est ce qu'on s'attache à faire avec lui, d'abord par cette phase, longue phase de préparation. Là, il redémarre dans la compétition. Donc, c'est je dirais, une prestation normale, mais j'étais très heureux de le revoir sur le terrain. Apparemment, vous aussi.